Alors on va parler d'une publicité gouvernementale réalisée par l'ADEME, hein, par le gouvernement français, euh, qui prône tout simplement la décroissance, l'arrêt de la consommation ou en tout cas la diminution drastique de la consommation. Avec euh, donc cette publicité, on voit euh, le vendeur qui est ici euh, représenté, qui est un dévendeur d'ailleurs, et qui conseille au client qui lui demande un avis, et eh bien de ne rien acheter du tout dans son magasin. Voilà. Donc, le message, c'est d'épargner les ressources de la planète, etc., etc. Bon, vous connaissez un peu le, le logiciel derrière, euh, et je pense que c'est extrêmement important que d'analyser ça. Alors, je vais y aller rapidement, ça mériterait beaucoup plus, mais euh, je pense que c'est euh, absolument essentiel. Le message derrière, c'est de dire, euh, pour épargner les ressources de la planète, pour préserver l'environnement, il faut réduire drastiquement notre consommation. Alors, évidemment, c'est à mettre en relation avec le discours écologiste ambiant euh, qui est alarmiste sur la question du réchauffement climatique en parlant du rôle de l'homme dans ce réchauffement. Qu'il est évidemment difficile de contester. Hein. Le réchauffement climatique est une réalité. Est, personne ne le nie. Euh, L'homme aurait donc un rôle très important dans ce réchauffement, ce que je ne nie pas à titre personnel. J'ai tendance à faire confiance au consensus scientifique, même si évidemment il faut toujours prendre des pincettes. Puis surtout, je ne vois pas comment l'activité humaine n'aurait aucun impact <laughs> sur l'environnement et sur le réchauffement, etc. Via les, faits, les gaz à effet de serre et compagnie. Bon. Je ne vois pas comment c'est possible. Voilà. Est-ce que c'est uniquement ça Est-ce qu'il y a d'autres causes aussi Ça, c'est tout à fait possible. Mais, voilà. mais c'est un débat à la limite qui n'a aucun importance à mes yeux. Pourquoi il n'a aucune importance Parce que, euh, et on va revenir à la décroissance ensuite, mais euh, quand les gauchistes euh, se plaignent euh, du, du réchauffement climatique qui va euh, peut-être faire euh, plus 3 degrés en 2100, en fait, ces gens-là ne comprennent rien. Voilà. Pourquoi ils ne comprennent rien Parce que euh, nous vivons dans une société qui a obtenu, grâce à l'entrée dans le monde du pétrole, qui a totalement révolutionné notre monde hein, euh, et dans le monde du, du progrès euh, technologique et technique. Nous vivons donc dans un, un, un confort et un progrès absolument gigantesque. Nous sommes la civilisation dans l'histoire de l'humanité euh, qui bénéficie du plus de confort. Voilà. Et, et très largement, on est sur un facteur 100, 1000, 10000 par rapport euh, même aux Grecs ou aux Romains. Nous vivons dans une société. Euh, où tout est agréable, ou en tout cas énormément de choses sont agréables. Et en fait, le gros problème des écolos qui se disent prêts à la décroissance, prêts à consommer moins, prêts à préserver la planète, prêts à arrêter de faire du, de consommer du pétrole et compagnie, c'est qu'en réalité ils ne sont pas capables. Parce que si on veut consommer moins, mettons, comme le, le conseiller, euh, ce vendeur, euh, moins 50%, 70%, etc., Faut, mettons réduire notre empreinte écologique, pas seulement notre empreinte carbone, hein, mais notre empreinte écologique de 50%, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est en fait. C'est ça qui est fou. C'est que si vous réduisez votre empreinte écologique de 50%, vous dites adieu à la quasi-intégralité de votre confort. Voilà. Vous dites adieu euh, du coup... En réalité, à plus de 50% de votre de votre utilisation de smartphone, euh, de PC, de voiture, d'avion, enfin, mais à bien plus que ça en réalité. En fait, vous vivez dans un monde où personne concrètement n'est capable de vivre, n'a envie de vivre. Vous mettez un écolo, vous le placez là par un, un outil magique dans le monde euh, qu'il veut. Voilà. Au bout de deux jours, il veut rentrer dans notre monde actuel. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Le, le, la différence entre les grands discours et le réel. Est effroyable. Et c'est ce que j'ai dit dans un tweet sur cette question. Hein. Le réel est plus fort que l'idéologie. Contrairement à ce que racontent les écolos, se passer du pétrole est impossible. Eux-mêmes, malgré leurs grands discours, ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas Parce que s'ils devaient le faire, eh bien, ils vivraient dans le dénuement, en réalité, dans la pauvreté. Sauf à accepter de retourner au Moyen-Âge ou assimiler, voilà. Ce que personne ne veut, pas même les militants écolos, nous consommerons du pétrole jusqu'au bout, quand bien même cela signifierait plus 5 degrés à horizon 2100. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que le climat, on s'en fout, en fait. Parce que même s'il y a des désagréments et parfois très forts qui peuvent arriver, ces désagréments-là, ils ne seront pas suffisants pour que nous renoncions à notre confort, à notre niveau de vie. Voilà. C'est impossible. Et je dis ça pour des gens lambda, mais même des militants écolos radicaux n'accepterait pas ça au fond concrètement. Je sais pas si vous voyez euh, la chose, mais par exemple, euh, dans les militants écolos qui luttent pour le climat et compagnie, on a plein de gens qui ont des smartphones, qui vont régulièrement en vacances, qui utilisent leur voiture, qui ont euh, des vêtements qui sont fabriqués euh, avec du pétrole ou des dérivés. C'est évident en fait à dire, mais ces gens-là ne sont pas prêts à vivre dans le monde qu'ils souhaitent. C'est normal. Hein on est en fait face à du gauchisme et donc à un refus de la réalité, à un refus du pragmatisme. Et donc, on est dans une espèce de maladie mentale, douce peut-être, mais une forme de maladie mentale. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce, ce spot du gouvernement, les types ne comprennent pas ce que ça implique concrètement. Voilà. Et donc, je le redis, nous sommes dans le monde du pétrole, si nous renoncions à, à celui-ci, si nous faisions une croix sur 50% de notre empreinte écologique, nous irions quand même dans une forme de Moyen-Âge. Voilà, c'est un peu caricatural, j'en conviens, mais franchement, ça serait un effondrement de notre niveau de vie, Absolument incroyable. Donc, on ira jusqu'au bout du pétrole exploitable. À moins, bien entendu, qu'on trouve une alternative. Et c'est ce que je dis dans la deuxième partie de mon, mon tweet. Il est temps d'acter, donc, qu'on ira jusqu'au bout du pétrole et de passer à autre chose. Il faut développer des alternatives. Mais comment trouver des solutions innovantes tout en décidant d'entrer en décroissance, en sobriété choisie, en effondrement contrôlé? Vous prenez le terme qui, qui vous convient. Consommer moins de pétrole, c'est consommer moins d'énergie et s'enfoncer dans l'appauvrissement. C'est là tout le paradoxe. C'est que, effectivement, il y a une espèce de crise écologique. Alors, il y a un réchauffement climatique, il y a euh, des dégâts environnementaux causés par l'activité humaine, etc. Alors, qu'on est en train de résoudre aussi à plein de niveaux. Hein. Euh, les associations écologistes, celles qui ne sont pas focalisées sur le climat, elles font aussi des, du bon travail. Et il y a une prise de conscience écolo saine et logique qui existe dans tout le monde occidental. Euh, pas ailleurs, je précise. Dans le monde asiatique, dans le monde africain, non rien à secouer de l'écologie. Parenthèse fermée. Mais le paradoxe, c'est que malgré ces, ces désagréments qui existent, en fait la solution pour arriver vers une société qui soit à la fois plus écolo, mais qui conserve un certain degré de confort, peut-être pas tout à fait similaire à celui qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas important quand même, eh bien il va falloir qu'on utilise de l'énergie et qu'on ne rentre pas en décroissance pour arriver à trouver des alternatives, parce que les alternatives, elles se Trouve via de la recherche scientifique, via de la recherche technologique, mais aussi via des investissements financiers, etc., etc. Bon. Sauf que si on rentre en décroissance et que tout le monde s'appauvrit, euh, bah, ces investissements-là, ils vont être plus compliqués à mener, quand même. Donc, voilà le paradoxe. On ne doit pas faire n'importe quoi. On ne doit pas donc euh, polluer à outrance, évidemment. Enfin, on doit euh, évidemment euh, limiter au maximum tout ce qui est euh, de l'ordre du désagrément euh, écologique et compagnie. OK. Mais on ne doit pas non plus faire n'importe quoi et se dire euh, « Allez, on entre en décroissance, euh, on rentre en sobriété choisie, on décide de consommer beaucoup moins à l'appel du gouvernement, etc. » Il y a un moment où il faut être réaliste. La meilleure solution est en réalité la seule, parce que je le redis, personne n'acceptera de rentrer en décroissance. La seule décroissance qui aura lieu un jour, elle sera subie. Et les personnes qui euh, pensent que la décroissance est une solution qui peut être, si elle est bien vendue, etc., peut être porteuse, se trompent totalement. Donc, on ne sortira de l'ornière qu'en Consommant plus ou en tout cas en consommant mieux, c'est-à-dire en développant quand même de manière très forte certains secteurs comme la recherche, etc. Bon, voilà. Euh, mais il y a aussi un point essentiel là-dedans. C'est que là, c'est le gouvernement français qui communique, qui dit que ça soulagera les ressources de la planète. Ça, c'est le gouvernement français. Mais est-ce que c'est la même chose ailleurs? Parce que là, euh, décroître, s'appauvrir, c'est un espèce de suicide civilisationnel. Mais à la limite, si on est tous ensemble, tous les pays du monde, à se tenir la main et à se dire Ok, on va réduire notre empreinte carbone, notre empreinte écologique, et bon, on ne sait pas où ça va nous mener parce qu'on est complètement débile. Mais euh, bon, on va pas trouver d'alternative, donc on va droit vers le Moyen Âge. Mais à la limite, si tout le monde le faisait ensemble, je veux dire, je comprends un peu le principe. Sauf que s'il y a seulement les Français qui le font, qu'est-ce qui va se passer en fait Bah, ben, ça va être un suicide civilisationnel, mais euh, en fait national. Donc c'est ce que je dis dans la, dans la suite de mon tweet. Hein. Ce serait déjà suicidaire si tous les pays du monde décidaient de choisir cette voie ensemble. Hypothèse totalement farfelue puisque les asiatiques, euh, les Américains, les proches orientaux, euh, les Africains et compagnie, eux, ils sont pas du tout dans cette logique-là. Hein. Donc, ça serait déjà suicidaire si on faisait tout ça ensemble. Mais alors que la France décide seule la décroissance, tandis que le reste du monde poursuit sa marche en avant, c'est du délire. Pur. Si cette folie continue, le réveil va être très douloureux pour la France. Il faut de toute urgence développer un discours rationnel sur cette question centrale. Franchement, pour moi, c'est inquiétant. Alors, c'est à minorer cette inquiétude parce que, évidemment, comme j'ai dit, personne ne voudra concrètement consommer moins. Mais malgré tout, il y a un discours dominant qui peut avoir un effet, un petit temps. Et ce petit temps d'effet, il peut être extrêmement dangereux pour la France. Alors, la France, le gros problème de la France, c'est qu'elle se tiers-mondise à tous les niveaux. Elle se tiers bah parce qu'il y a une immigration extra-européenne massive euh, voulue par le gauchisme et qui donc entraîne la France vers une tiers on va dire, euh, pratique. voilà C'est-à-dire qu'on va de plus en plus devenir le tiers-monde. voilà La Seine-Saint-Denis, euh, ça va se généraliser dans toute la France. Mais il y a en plus une tiers économique. Pourquoi Parce que nous avons le pire du socialisme, voire du communisme, hein, et le pire du capitalisme de connivence. voilà C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément d'impôts, et ça va dans les poches des associations ou des entreprises, des, des potes, des amis des gauchistes. Bref, on a ça, plus le coût de l'immigration, bref, vous voyez un peu le tableau, en France, on est très mal barré, carbonisation pratique. Et économique. Et ce genre de communication gouvernementale, c'est un très mauvais signal parce que s'il y a ne serait-ce qu'un petit effet, eh bien ça va encore amplifier la tiermondisation du pays. Et c'est extrêmement dangereux parce que pendant ce temps-là, on a énormément d'autres pays qui ne sont pas du tout là-dessus. Donc l'écart va se creuser. La France est en danger mortel. Cette communication gouvernementale, elle est très inquiétante, elle est marginale, elle aura un effet lui aussi très marginal, OK, mais on a un état d'esprit général au sein de beaucoup d'élites euh, qui est en fait bah, l'idée d'un suicide civilisationnel en fait alors c'est pas dit comme ça eux ils sont ils croient que c'est vraiment quelque chose de, de super vertueux qu'ils sont en train de réaliser mais je pense qu'on est dans un, un une sorte d'atmosphère un peu apocalyptique avec euh, la question climatique avec la question environnementale avec la question de la préservation des ressources etc etc et c'est inquiétant faut pas non plus en faire tout un plat hein, mais je pense que ça nécessite quand même qu'on soit très prudent là-dessus euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à droite qui, euh, qui qui se penchent sur cette question de la décroissance même si évidemment euh, pas de manière aussi caricaturale que celle du gouvernement ou des écolos. Mais vraiment, euh, faut être très prudent là-dessus. Je vous renvoie vers plusieurs vidéos que j'ai réalisées. Euh, la décroissance est un suicide civilisationnel que j'ai publié il y a deux mois, euh, qui est une vidéo d'une vingtaine de minutes, où je, qui est un, un best-of de mes interventions sur la question euh, dans une émission ADN. Et puis, il y a également un entretien que j'ai réalisé avec deux écologistes de droite euh, issus d'Academia Christiana, qui est un, un mouvement de jeunes euh, catholiques. Et où on parle de la place de l'écologie à droite. Vraiment, je vous encourage très vivement à voir cet entretien où je développe ce que je suis en train de dire. Et je pense que c'est super important d'avoir ce raisonnement-là. Le problème, c'est que l'écologie concrète, personne n'en veut. Voilà, parce que ça nous emmène vers l'appauvrissement, vers la tiers-mondisation. Et je peux vous dire que c'est pas du tout ce qu'on doit vouloir pour la France. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez le lien Tipeee en description pour rejoindre la communauté Sunrise et bénéficier de contenus exclusifs. Et puis, vous avez également la possibilité d'acheter sur sonoresshop.tube. Le lien est également en description. Des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes, dont une partie des bénéfices permet de soutenir ma chaîne. Voilà. Écoutez les amis, on se dit à très vite.